actual steel. Tirer des conclusions sur la façon dont les gens appréhendent le monde social. C'est-à-dire qu'ils ne répondent pas justement aux faits, aux réalités actuelles. Il me semble qu'ils répondent plutôt en termes de cadre, de frame, comme on dit en anglais, c'est-à-dire des façons d'appréhender le monde social. Et là, j'ai identifié 4 cadres, dont la première est l'injustice, c'est-à-dire en un sens que la répartition des ressources par l'État a changé de sens dans les dernières années, c'est-à-dire qu'il comprend aujourd'hui que la plupart des ressources sont allouées aux minorités ethniques, aux migrants et à ceux qu'ils appellent les blancs paresseux qui profitent de l'État-providence. Deuxièmement, le politiquement correct. Pour eux, le politiquement correct, c'est un système d'idées et de pratiques qui en fait fonctionner cette répartition injuste des ressources. C'est une sorte de support intellectuel qui est géré par des élites politiques et en fait sert à leur éloigner des ressources qu'ils pensent sont à eux plutôt qu'aux autres minorités, migrants, etc. Troisième, c'est sur l'intégration. Et j'appelle ce cadre l'impossible intégration parce qu'en fait, il paraît impossible pour les migrants et les minorités ethniques de s'intégrer pleinement dans l'esprit britannique, le Britishness. Parce que d'une part, ils sont jugés comme des gens qui arrivent en retard, donc ils n'ont pas contribué suffisamment de culture pour participer pleinement. D'autre part, ils se trouvent accusés de ne pas intégrer, de se ségréguer, si vous voulez, de façon géographique, de façon culturelle. Et parfois, quand on demande à nos interlocuteurs de trouver un bon exemple d'intégration, ils trouvent en fait des gens qui sont déjà britanniques. Ce sont des fils ou des filles, ou même des petits-fils et petites-filles, des migrants. Donc, des gens qui sont déjà britanniques. Donc, c'est un non-sens que ces gens-là s'intègrent dans le Britishness parce qu'ils sont déjà british. Donc, quatrième, c'est les relations que nous tenons vis-à-vis de l'Empire et l'héritage de l'Empire. La majorité des gens ont l'avis que l'Empire était en fait une bonne chose qui a contribué beaucoup au développement des pays ailleurs, surtout en termes de langage et de bonne gouvernance, et qu'en fait l'Empire c'est un chapitre de l'histoire britannique qui est terminé. Et tout ce qui y était attaché est aussi terminé, et ça inclut le racisme. Donc pour ces gens-là, le racisme fait partie du passé, ça n'existe plus. Or, il y a une minorité de gens qui voient l'Empire comme un spectre, si vous voulez, un fantôme qui hante les relations sociales et qui constitue toujours une présence vivante. La référence au racisme anti-blanc trouve son écho dans un sondage de Valeurs Actuelles de décembre 2013 qui annonçait que pour 47% des Français, le racisme anti-blanc est un phénomène assez répandu en France. Il y a une base d'idées qui donne lieu à des idées qui lient les partis mainstream, les partis de droite et les idées des électeurs sur le positionnement des blancs européens face aux autres.